je vous présente un documentaire de mes premières découvertes, Le Papillon. Le papillon. La trompe du papillon lui sert à aspirer sa nourriture. Ses yeux à facettes voient les mouvements et les couleurs. Les pattes sont rattachées au thorax. Les pattes avant détectent le sucre. Ses deux antennes lui permettent de repérer toutes les odeurs. De nombreuses rangées d'écailles forment les superbes couleurs et les dessins des ailes du papillon. Lorsqu'un mâle et une femelle papillon veulent s'unir, ils commencent par voler ensemble en dansant. Ensuite, ils se posent dos à dos et restent ainsi un bon moment. Les papillons peuvent se sentir de très loin grâce à leur antenne avant de se rencontrer. Après avoir soigneusement choisi une plante, la femelle pond ses œufs qui se collent sur les feuilles. Au moment de l'éclosion, la larve casse l'œuf avec ses mandibules. Elle mange la feuille où elle a été déposée et grossit énormément jusqu'à devenir une chenille. Puis, la chenille cesse de se nourrir et devient immobile. La métamorphose va commencer. Dans la chrysalide, la chenille se transforme en papillon. Quand le papillon est prêt, il fend la chrysalide et sort. Le papillon vole de fleur en fleur pour chercher le nectar. En même temps, il transporte le pollen de plante en plante. C'était mes premières découvertes, le papillon, dans la maternelle de Sandrine. N'hésitez pas à aller écouter mes autres histoires lues, marquées d'une petite étoile.